Bonjour à tous. Et voici encore une de ces maisons inexplicables, là aussi, construites en partie et tout s'est arrêté. Alors c'est un paradoxe parce que il y en a une multitude ici. Donc je suis au Kosovo, je suis entre la Macédoine du Nord et la Serbie. Je ne reviendrai pas sur les problèmes serbo-kosovars. Alors, je ne m'explique pas pourquoi ces maisons sont, commencent à être construites, les secondes œuvres. Et tout s'est arrêté en cours de route. Une vue imprenable sur la cité de Pristina, pardon. Allez, on continue la visite. Alors, pourquoi ces maisons sont arrêtées en cours de route? Comme j'expliquais, ça peut être culturel. Il y a dans des pays où on prévoit la construction des appartements supérieurs pour les enfants. D'autres, comme en Égypte, pour des raisons fiscales, enfin à l'époque, ou en Turquie. Peut-être que la réglementation a changé depuis. En France, je sais que dans le sud, vous avez 2 ans pour finir votre maison. Donc, ça permet au propriétaire de souffler dans la durée, dans les travaux. Attendez, j'ai une communauté d'usagers qui mettent en bas. On appelle ça des toutous. Et je n'aime pas les toutous. Ou alors une faillite bancaire, ou alors tout simplement, ces conflits, on va dire, kosovars, est-ce que ce n'est pas des Serbes qui auraient fui? Enfin, je ne sais pas. Allez, on continue.